Oups, je me réinstalle. Ma coupe toute pourrie encore. Bref, j'ai deux courriers à ouvrir encore. Mais ma batterie commence à être morte vu que je viens de faire une, deux, trois, quatre vidéos. Donc on va tenter celle-ci et j'espère que ça va tenir. Voilà. Donc là j'ai une carte de. Un envoi de Christelle. Voilà. Il est marqué ne pas plier. Qui vient du 33. Je ne sais pas. Je me rappelle plus. Désolée. Ça fait comme la vidéo de Dominique de tout à l'heure. Oh, c'est joli. C'est joli. Ça fait comme la vidéo de tout à l'heure. En ouvrant tout de suite, j'ai dit Mais oui, je suis bête. En plus, en voyant Belgique, j'aurais pu me souvenir. Mais je ne me suis pas souvenu. Oh, comme c'est beau. Comme c'est joli. C'est trop beau. La colorisation, elle est magnifique. Alors, j'ai essayé hier de faire une colorisation parce que j'ai reçu une magnolia. Oui, bah oui, si je vous montre pas, je vais continuer à vous blablater en vous montrant. J'ai reçu une magnolia avec son petit dragon à côté. Et j'ai voulu la coloriser. Oh, la cata. C'est horrible. C'est moche. Ce que j'ai fait, c'est horrible. Donc, j'ai fait avec les feutres à alcool de chez Action. C'est moche. Voilà. Donc je vais essayer avec des crayons de couleur. Là je vois qu'avec les crayons, je pense que c'est les crayons de couleur que tu as utilisé. Et ça fait super doux. Et là c'est exactement ce que les trucs que j'essaye de faire mais que je n'arrive pas à faire. C'est les superpositions. Voilà, parce que sur les cartes, quand on achète des tampons sur eBay, il y a des modèles de cartes avec des superpositions de magnolia, avec les tamponnages soi-disant magnolia. Et c'est trop beau. Et moi j'ai dit j'arrive pas à faire les superpositions. Et là franchement c'est un très bon modèle pour moi. Je vais m'en servir. Alors je n'ai toujours pas lu le mot. Corinne, dans une de tes vidéos tu disais que tu aimais les cartes avec les tampons magnolia. En voilà une rien que pour toi. J'espère que c'est une dans le même style que tu avais vu. Oui c'est ça. J'ai pris plaisir à la faire car il y avait quelques années j'en faisais. Et j'étais dans un forum magnolia. Ah cool. Scrap Bees, Christelle, quelques tamponnages pour faire tes cartes. Trop bien. Trop bien. Oh, alors là, c'est trop bien celle-là pour l'hiver. Alors, il y en a deux. Voilà, alors ça c'est trop bien. Il y en a, oh, c'est trop mignon ça aussi. Oh, celle-là aussi, elle est belle, avec ses ailes de papillon. Trop mimi. Là, avec un petit papillon sur le nœud de sa robe derrière. Trop chouette. Chaque fois, il y en a deux, c'est cool. Je peux me rater une fois. On dirait qu'elle va nous dire un petit secret. Celle-là fait ça timide. Et celle-là, je suis pas sûre, mais il me semble que je me la suis commandée, mais je suis pas sûre du tout. Parce que je trouvais que pour l'hiver, elle était trop bien avec sa lanterne. Donc, même si je l'ai commandée, bah, c'est pas grave. Et si je l'ai pas commandée, bah, c'est génial, puisque comme ça, je l'ai. Ça m'en fait un bon paquet, hein, puisqu'il y en a deux à chaque fois. Voilà. Trop top. Trop top. Elle est jolie, ton encre. Si tu passes par là, tu peux me dire, t'as tamponné avec quelle encre? Parce que je trouve que c'est trop joli. C'est doux comme... comme couleur de tamponnage. Parce que là j'évite en ce moment aussi moi de tamponner trop avec du noir. Je trouve que ça fait un peu agressif quand je tamponne avec du noir. Oui, je suis en train de regarder la carte. Je vous la remonte parce qu'elle est trop jolie. Elle est vraiment trop belle. Voilà, j'aimerais bien essayer de faire quelque chose comme ça. J'essayerai, franchement, j'essayerai de faire dans le même esprit que ça. Je garantis pas d'y arriver parce que il y a du taf. Voilà, il y a du taf et bon, franchement, c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire. Moi, j'ai l'habitude de coller trois stickers et un bout de dentelle et voilà. Et là, il y a vraiment beaucoup de boulot. Voilà, donc je vais essayer et promis, je vous montrerai le résultat, même si c'est raté.
Ok? Bah oui, hein. De toute façon, même si c'est raté, je vous montrerai comme ça, vous verrez à quel point c'est pas mon truc. Mais bon, si je m'inspire de ça, je devrais y arriver. Oui, je la regarde, je la regarde, je la regarde. Bon, je vous laisse et je vous fais des bisous à tous. Bonne création. Et puis, un grand, grand merci Christelle pour cet envoi. Voilà, je remets dans l'enveloppe puisque il y a ton adresse. Donc, voilà. Petit blabla ou pas, si j'ai le temps, si ça se coupe pas. J'ai pas mal de retard. J'ai pas mal de retard. Comme d'hab, hein, c'est sans surprise. Là, c'est la rentrée. C'est un nouveau départ, on va dire. Donc, je vais essayer. C'est pas gagné. Je vous assure que c'est vraiment pas gagné. De faire mon maximum pour vous répondre. Mais c'est pas que je veux pas vous répondre, j'accumule du retard. Voilà. Vous êtes tous et toutes tellement gentils avec moi que vous envoyez une carte à moi. Enfin, vous m'envoyez une carte, vous envoyez une carte à moi. Vous m'envoyez une carte. Voilà. Mais moi, je dois. Pour une carte que vous m'envoyez, peut-être que moi il faut que je fasse 10 réponses. Donc, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'envoient des choses. Donc aujourd'hui, là par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 ouvertures de cartes. Je suis ravie. Hein. C'est pas, je me plains pas, hein. Pas du tout, pas du tout. Mais c'est que je culpabilise quelque part de pas répondre, entre guillemets. Donc je vais essayer, même si ce n'est qu'une petite carte, parce que je peux pas vous rendre tout ce que vous m'envoyez, je peux pas vous rendre tout ce que vous faites pour moi, je peux pas rendre à tout le monde tout ça, c'est pas possible. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est un peu compliqué, voilà, de niveau du temps, simplement niveau du temps, niveau matériel, parce qu'il faut faire une jolie carte, il faut faire des petits goodies, il faut, enfin tout ça, faut faire l'envoi financièrement aussi. Enfin, vous allez me dire, ouais, c'est rien un timbre à 77 centimes, ok, mais on va dire 10-15 timbres par jour, pas par jour, 10 timbres par semaine, ça fait déjà 8 euros, 4 semaines, 8 fois 4, 32, voilà, plus les petits goodies qu'on achète, plus ci, plus ça, j'ai un petit peu de mal, et voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Et niveau du temps surtout aussi, je sais que je n'ai pas le temps de faire des jolies cartes pour tout le monde. Donc je vais peut-être essayer de faire une série de cartes comme j'avais fait une ou deux fois l'année dernière. Une série de cartes bah, plus ou moins identiques. Une série de 20 cartes, pareil, et que je pour vos réponses. Mais c'est un petit peu embêtant parce que c'est pas forcément adapté au goût de la personne, enfin bon, je sais pas comment vous dire, voilà, je sais pas comment vous dire, c'est que je peux pas m'attarder pendant 2 heures pour un envoi par personne, voilà, enfin bon, bref, j'essaye de m'expliquer, mais c'est pas, ça doit pas être très très clair. Bon, si vous avez compris, tant mieux, si vous avez pas compris, j'essaierai de répondre si vous avez des questions, voilà, je peux pas faire autrement. Je vous fais à tous des bisous, bonne création à tous, et mille merci les filles pour vos envois, franchement, vous êtes formidables, gros bisous, bonne création, je vous laisse, à bientôt.